je m'appelle Lilian Carr, donc chargé de mission forêt et Natura 2000 au parc naturel régional du Luberon. Donc en fait, le constat, c'est qu'on a à peu près 60% du territoire de la réserve qui est couvert par de la forêt. Deuxième constat, c'est un territoire aussi qui fait s'entremêler une multitude d'actions, une multitude d'activités. Et donc le but de ces atlas, de ce projet-là, c'est de permettre aux communes, puisqu'on est à destination des élus de toutes les communes du territoire de la réserve de biosphère UNESCO, de leur fournir des premiers éléments de lecture pour arriver à mieux appréhender ces enjeux forestiers. Un aménagement forestier est un document pérenne dans le temps, en fait, il est établi sur 20 ans. Dans ce document, on va retrouver les différents enjeux en fait, que l'on va retrouver en forêt, donc par exemple les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux et les enjeux aussi donc, de production. Une cartographie des peuplements va être établie et va en ressortir un classement en fait, des parcelles que l'on va mettre en production. On va aussi déterminer des zones qui resteront au repos afin de préserver la biodiversité au maximum. Ici, on est venu travailler avec le Centre régional de la propriété forestière pour regarder un secteur de forêt de chêne vert. Le projet, c'est d'avoir sur une grande surface de forêt une mise en gestion où on pourra imaginer à la fois d'exploitation forestière, mais dans une sylviculture qui est proche des dynamiques de la nature, et aussi des zones qui sont mises en réserve pour le moment, mais à plus long terme, ce soit aussi des espaces qui soient laissés comme ça en évolution naturelle et avec une plus grande maturité dans les années à venir. Sur le territoire du parc, en fait, les milieux pastoraux sont toujours très intéressants d'un point de vue écologique. Et l'enjeu actuel dans le contexte de changement climatique, c'est justement d'arriver à trouver des solutions pour que le pâturage puisse se poursuivre, même dans des conditions très sèches. Et notamment, l'usage en sous-bois devient une clé. Moi, les arbres, ça me permet aussi, ça permet à la végétation de moins souffrir du soleil l'été. Et là, on en voit l'exemple. Ici, c'est carrément, cet été, on sait les chaleurs qu'il a fait ici, on sait le manque d'eau qu'il y a eu, peut-être plus de 6 mois sans eau. Et par contre, on voit bien que la filante, sous le couvert végétal, elle est restée verte. Et ça, l'hiver, pour moi, c'est génial. On est sur une région qui est soumise déjà à un risque très fort d'incendie. Ça ne va pas s'améliorer à l'avenir. Ce sont des phénomènes qui vont se multiplier et s'amplifier. Donc il est important de maintenir une pression sur les ouvrages qui sont en place, donc déjà entretenir l'existant. Grâce aux moyens mis en place qui sont principalement axés sur une stratégie d'attaque des feux naissants,
on a de moins en moins de feux de grande importance. Néanmoins, quand on a des feux de grande importance, ils couvrent de plus en plus d'hectares et ils sont de plus en plus virulents. Alors ici, nous sommes sur le chemin du Thor et c'est de là qu'est parti un grand incendie en 1991 qui a brûlé 2000 hectares. Vous voyez qu'ici, il y a énormément de forêts, pins d'Alep essentiellement, des habitations au milieu de la forêt et il a fallu expliquer le danger, le risque incendie. L'essentiel des propriétaires forestiers sont des privés. Donc il faut aussi pouvoir les mobiliser, pouvoir les mettre en réseau, pouvoir leur expliquer tous les outils d'avenir. Et lorsqu'on parle de gestion forestière, c'est extrêmement important de gérer de façon maîtrisée et durable. Ben, tu vois là, il y a un beau... Une belle petite... cavité qui a été creusée par un pic quand il s'est nourri. Et on les entend des fois, oui. Et ça, normalement, dans l'Atlas, il y a une partie écologie, biodiversité. Et au parc, on recense des espaces assez grands où justement il y a pas mal de biodiversité. Et donc, bah, s'il y en a sur la commune et qu'on en a recensé, ça apparaît. On a représenté tout le mitage urbain avec les zones qui sont à débroussailler, toutes les petites zones oranges. Et ben c'est ce qu'on voit bien là sur la crête. Là. Oui. Le but de ces atlas, c'est que les élus du territoire prennent en main ces enjeux-là et puissent ensuite être moteurs d'action sur le territoire pour mieux prendre en compte la forêt, donc pour avoir une gestion durable de la ressource, et de prendre en compte toutes les activités qui gravitent autour de la forêt. Je pense que c'est extrêmement intéressant d'avoir cet outil grâce au parc, des atlas. Pourquoi ? Parce qu'on connaît mal les milieux finalement naturels. On connaît mieux l'urbanisme, on connaît mieux les routes. Et le fait d'avoir une vision exhaustive sur la richesse des espaces naturels et des forêts, eh bien, pour les élus, c'est extrêmement intéressant et en plus, c'est du porté à connaissance qui peut servir l'avenir.